Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3 de Sarah is Missing. On se retrouve exactement là où on s'était laissé, à quelques minutes d'intervalle. Et on va ouvrir le mail de James, qui m'a été envoyé à 3h33 du matin. Et c'est par rapport aux recherches sur les malédictions et fantômes qu'on fait lui et moi. Je pense qu'on travaille en binôme, quelque chose comme ça. Donc on va voir. Oh my god, qu'est-ce que c'est? Ouh là là, attends. Alors, salut Sarah la flippante. Sarah flippante, flippante Sarah. Bref. Ça pourrait peut-être t'intéresser. J'ai pas mal de trucs pour tes recherches. Pas mal de matériel pour tes recherches. À propos, regarde leur calendrier. Le calendrier de qui? Peut-être que tu devrais rester. Que tu devrais rester sur le site, je pense. Ce soir. Tu devrais rester sur le site ce soir. Je pense qu'il parle du site quand il dit ça. Stay in. Bref. Dis-moi ce que t'en penses, James. James sent ta photo. Donc attention. Des symboles quelconques qui auront sans doute leur importance plus tard. Ok. Et à 3h32, pareil, le même jour, il a envoyé une autre photo, ça doit être leur calendrier. Et... Ah! Très bien. Ouh là là! Ouh là là! Oh shit, my nigga! Je vous ferai pas de traduction, je vais lire de mon côté, si vous êtes intéressé, vous lisez aussi, mais je veux pas faire de traduction pour ça. Équinoxe de printemps... Oh my god. Rien de prévu. Les dates varient. La mort du Christ. Ok. Sacrifice humain. Ah, je crois qu'il y a quelque chose qui va nous intéresser. Ouais. Les dates vont devenir intéressantes. Donc toujours. Ok, sacrifice humain. On prépare les victimes au sacrifice. Ok, cool. Ouais, non. Ah oh, putain, c'est vrai que je peux faire ça. J'avais oublié. Rester cliqué sur les trucs pour faire avancer l'histoire, ce serait intelligent. Collecte d'herbe, ok, donc ils sont complètement pétés, hein. C'est une secte le bordel, j'ai pas envie d'en faire partie. Grand climax, ça je crois aussi c'est un truc de cul. Hein. Ouais, effectivement. Waouh! Regardez, donc ça parle de... Voilà, hein, voilà, vous savez lire. Je zoome, voilà. Donc ça parle de ça. Par contre, l'âge. L'âge, il n'y a pas un problème là? Voilà. Donc le 30. Ça c'est la fête. On devait aller. Enfin la fête. La fête. Donc ça je sais pas quoi c'est. Ouais ça. Donc ça je sais pas ce que c'est. Hein. Ça doit être de... Ah merde, c'est là. Donc le du sang. Sacrifice humain ou animal. Non, et ou animal. Tout âge. Et n'importe quel sexe je pense. Oui, n'importe quel sexe. Ok. On s'en fout. Et donc là, le 1er mai, donc aujourd'hui. Ok. Donc nous, ce qui nous intéressait, c'était ça. Donc nous, on a peut-être fait partie, même sûrement, fait partie d'un sacrifice humain. What the heck, my niggas. C'est ça que je dois... Pourquoi ça zoome après, c'est nul? Bon, bah ça veut pas, écoute. Alors, le 30, donc une minute avant, James a écrit, tu ne peux pas la toucher. Curse, binding. Donc curse, c'est malédiction, binding, je sais pas. Cette malédiction est... Attends, is particularly... Oula, je arme. Alors, cette malédiction
est particulière pour les gens qui ont fait arme, je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que ça veut dire, qui ont fait quelque chose dans le passé. And as such already known, est connu pour être une potentielle menace. L'idée est de garder la personne, d'empêcher la personne de parler à quelqu'un. Approaching the one you're trying to protect. Judge was... c'est des trucs de secte, hein. On dirait une sorte de loi. On aura besoin des éléments suivants. Ah, c'est pour faire le rituel en gros, ok. Alors, un grand pot dont la contenance, popette, je pense, ça doit être popette, ça doit être, je sais pas, une peluche ou... Popette. Puppet peut-être. Un chiot, donc un gros saladier, on va dire. Donc il faut un gros saladier. Des offrandes en bois. Ouais, donc c'est des poupées. Ok, donc donc il faudra une bougie noire, une mixture de sel noir et de poivre de Cayenne. Ok, ils vont se faire un petit repas. Permanente marqueur, une marque permanente. Light. Allumer la bougie. And wait out. Mouse of your puppet. Et mettre de la cire sur la bouche. Ah, ok, ouais, j'ai compris à peu près le rituel. Donc, t'allumes la bougie et tu verses de la cire de bougie sur la bouche de ta poupée. De ta poupée en bois. Tu roules la poupée. Dans la mixture de sel noir et de poivre de Cayenne. On met ça dans le pot. Donc faut que ce soit entouré par plein de gens qui la regardent. Je comprends pas tout, hein, je vous avoue. Load or sink it yourself. On peut pas la toucher, on peut pas lui parler. Si on pense à elle, ça apportera la malédiction sur nous. Wow. Puisse ta langue en gros, puisses-tu t'étouffer avec ta langue si t'essayes de l'atteindre. Ouais, c'est une sorte de poème malsain en fait là. Alors, puisses-tu brûler et devenir des cendres si tu t'approches d'elle? Puisses-tu. Oh, c'est trop chelou. Puisses-tu sentir des yeux derrière toi, des yeux dans ton dos, tu sais, donc cette sensation-là, on l'a tous eue. À chaque fois que tu penses à son nom, il te regarde, je regarde. Puisses-tu pour toujours questionner la vie des autres, je sais pas. Savent-ils les choses que tu as faites? Moi, je les sais. Je te maudis. Je te rends aveugle. Tu ne peux plus la toucher. Stage de jarre. Donc, place le saladier avec la poupée et tous les trucs là. Dans un lieu sombre, comme un placard ou un cabinet. Je ne recommande pas d'enterrer les pots. Et laisser la bougie brûler jusqu'à ce qu'elle s'éteigne d'elle-même, pardon. Très bien. Donc on va, ouais, pour faire avancer l'histoire, on va aller voir cette petite conversation avec Kirizu. Je bois un coup parce que je fais que de parler dans ces vidéos. Salut là-dedans, est-ce que c'est Sarah? Je suis Rizu. J'ai reçu un message
Ah, j'ai reçu, comment dire, ton numéro de la part de Face. Elle m'a dit que tu viens à notre petite fête, pardon, un rassemblement spécial. Salut Rizu. Ouais, je suppose. Non. Ouais, je suis censé la rencontrer là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Je m'excuse, mais la réception ici est vraiment pas bonne. Donc il doit être dans les bois le Kemet et donc il n'y a pas de réseau, en gros c'est ce qu'il dit. Et à côté de ça, on a des règles. Pas de téléphone portable permis. Je suis ton escorte. Non, je suis là pour t'escorter. Comment dire? Pour t'escorter safe. Donc il sera là pour me protéger en gros. Donc c'est un peu bizarre pourquoi je vais à une fête et j'ai besoin de protection. Et aussi, maintenant, on sait pourquoi on a récupéré le téléphone portable, pourquoi on l'a trouvé, sans trouver le corps ou quoi. C'est parce qu'elle l'a laissé quelque part. Je ne sais pas où, mais en tout cas, on l'a retrouvé parce qu'il n'y a pas de téléphone portable de permis. Donc là, Sarah a dit escorte. Pourquoi j'ai besoin de me faire escorter en gros? Oui, ma chère. Ah. Ok. Oui, ma chère, c'est difficile de se repérer dans le noir, toute seule. C'est une partie de la chose, du rassemblement, c'est une sorte d'expérience. Je suis pas sûr de ça. Est-ce que je peux parler à Face? Non, tu peux pas. Je m'excuse, mais comme je l'ai dit, les téléphones ne sont pas autorisés. Elle est en sécurité ici, probablement bourrée, probablement déjà bourrée. Bourrée? Mais Face n'est jamais bourré. Comment je peux savoir que t'es vraiment son ami? Je la connais depuis le lycée. High school. Ouais, high school c'est le lycée, il me semble. Non, c'est l'université. Je la connais depuis l'université. Vraiment, je pense pas qu'elle ait jamais parlé de toi. Hein. Je reste discret. Je suis pas sûr de ça. Je pense que je vais partir. Partir? Sorry, you just. Ouais, je sais pas ce que ça veut dire ça. Pourquoi je suis. Oh là, il parle trop chelou. Aïe, c'est parce qu'il est pressé, regardez. Il fait des fautes en fait parce qu'il est en train de tracer pour me choper ce bâtard. Regarde. I'm almost there. Je suis bientôt là. En gros, il dit ça, je suis bientôt là, mais vu qu'il trace, il peut pas écrire correctement. Face serait déçue si tu ne venais pas. Elle a fait. Comment? Elle a réservé pour toi. Ouais, il a dit je suis presque là. Et moi, enfin, Sarah fait presque là. De là où tu es, bien sûr. Mais comment tu sais où je suis? Face m'a dit qu'elle te rencontrait là-bas. Je préfère que tu viennes pas, s'il te plaît. Je préfère que tu viennes pas ici, s'il te plaît. Je suis presque là. S'il te plaît, arrête-toi, peu importe où t'es. Ne t'inquiète pas, t'es en sécurité. Je vais te retrouver. Non, je vais te faire sonner. S'il te plaît, réponds. Ouh là là. Ouh là 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 là. Samir! Sarah? Sarah, where are you? Can you hear me? Sarah, I'm at the cult site, Sarah! I'll take you. Ah putain! J'ai dû avoir l'air d'un con. 10h33, donc là tout de suite, James m'envoie des messages. J'ai même pas compris ce qu'il m'a dit, le mec, hein, je vous avoue. Il a dit Sarah, t'es là, je suis, et j'ai pas compris où est-ce qu'il était. Putain! Sarah? Are you there? Fuck. Sarah, hello?
Hold on. Oh my god. Did you hear that? Allô? Allô? Ah non. Au revoir. Le jeu ne va pas si loin. What the heck, my nigga? Non, j'y suis pas, frère. Oh shit. Oh merde, j'ai répondu quelque chose. Alors attends, tu vas trop vite, frère. Est-ce que t'es allé à la fête? S'il te plaît, dis-moi que tu vas pas. Il y a vraiment de mauvaises nouvelles. Comment ça de mauvaises nouvelles? Si seulement je pouvais te montrer la folie. Est-ce que tu vas bien? What the fuck? Wow. Et ça fait flipper cette connerie là. Je suis à fond dedans là. Alors, ouais, mais moi je suis pas ça en fait. Mais j'essaie d'en apprendre plus, donc je sais pas pourquoi je me fais passer pour elle. Donc, ouais, je vais bien. Oh, ma... Oh non, mais non! Ah, je baisse le son, j'en ai rien à foutre, je baisse le son. Je baisse le son, je suis désolé, 18 secondes! Ouais, je vais bien, dis-moi ce qui va pas avec la fête. Là! Check this out, mate! Oh, sa mère, là. Oh, mais barre-toi! Oh putain! Ah! Ça c'est une vraie vidéo! Mais ils sont sérieux! Mais ça c'est une vraie vidéo! Je connais l'histoire de cette vidéo! Putain! Non, ça c'est creepy! Putain! Ça les gens, si vous. La vidéo avec le truc un peu d'oiseau là, c'est une vraie vidéo! J'avais entendu parler de cette histoire, je m'étais enseigné dessus! Salut James, qu'est-ce que ça veut dire? Oh, c'est dégueulasse! Oh mon dieu! Putain! Oh, il est en train de voir des trucs, il écrit plus vite que son nom, le bordel! Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là? T'as pas vu l'email que je t'ai envoyé hier? Si, on l'a vu. À propos, j'y suis, donc il est à la fête. Là où la fête est supposée être. Oh putain, je les vois. Oh mon dieu. Oh putain, mon dieu. Tu vas pas croire ça. Dieu. Bon, ça fait nul en français. Qu'est-ce que tu vois? Je pense qu'il est baisé, hein. S'il les voit, c'est que eux aussi les voient, je pense. Enfin, le voit. Qu'est-ce que tu vois? Oh putain, je pense qu'ils m'ont vu. Allez, rip. Au revoir, James. Qui? Bah, le culte. Hein. Oh. Shit, my nigga. Non, ils m'ont pas vu. Putain, c'était proche, donc ils l'ont presque vu. Je me cache derrière ce... Je sais pas ce que c'est. Putain, j'entends un son. Ça va me sauter à la gueule. Hein. Je vous le dis clairement. Hein. Ça a bugué? Non. Ah, il tape un... Oh non, il est mort. Il tape à l'infini. Il tape à l'infini. James, ça va? Oh mon dieu! Ok, si vous avez pas compris, qui c'est qui dit hello hello? Enfin, en anglais ça fait mieux, ça fait hello hello. Bref, salut salut ici! Et regardez! C'est Irizu le psychopathe! Qui est-ce? Tu n'es pas Sarah. Mais tu prétends l'être. Pourquoi?
Pourquoi ça t'intéresse, FDP? T'es tellement naïve, tu sais. Beaucoup de choix ne servent à rien. Attends, attends, attends. Quoi? Pourquoi ça compte, en gros, que je prétends que je sois Sarah? T'es tellement naïve, ou naïf en l'occurrence. Tu sais, beaucoup de choix ne comptent pas. Pas autant qu'on le pense en tout cas. Mais le prochain choix que tu vas faire pourrait l'être. Donc pourrait pourrait être décisif en gros. Alors, de quoi tu parles? Je parle à qui? Je m'attends à ce que ça me pète à la gueule à tout moment. Oh, ok, bon, très bien. View, donc c'est une photo, logiquement. Ok, ouais. Ça va encore, c'est. Qu'est-ce qui se passe? Oh non. Oh non! Don't share the link. J'ai 2 minutes. Oh fuck my day. J'ai vraiment 2 minutes? Alors attends. Partage ce lien avec tout le monde, ok? Ou alors tu dis au revoir. J'ai 2 minutes pour James. Clique pas. Sur le chat, on me dit clique pas. Sa grand-mère. Please, qui que tu sois, ne fais pas ça. Mais en fait, j'ai envie de cliquer. CFDP qui se cache derrière des masques là, putain. J'ai 2 minutes, il me reste 1 minute. Bah, j'ai cliqué. Mais je clique! Mais je veux cliquer, moi! Je sais pas comment je fais pour cliquer, miskine. Ah, c'est au bout de 2 minutes, je pense. Putain, en plus, on peut pas mettre pause dans ce jeu. Quand on sera à 42, il m'a dit ça à 40, à 42, je suis mort. 42. Ah, mais faut que je réponde. What the fuck are you doing? What the fuck are you doing, my bro? Share it. Offline. Oula, c'est quoi ce truc? Ah bah rip. Ah, mais c'est une bouche! Oh là là! Bah ok, bon, bah James, c'était un plaisir. Alors. J'étais au courant, merci. Je peux lire ou pas? Merci. Alors, je ne pense pas que les gens meurent. Attends, not people die. They just go to the partout. Je ne pense jamais que les gens meurent. Je pense qu'ils vont juste au magasin départemental, donc en gros au centre commercial, enfin au gros centre commercial. J'ai pas trop compris. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là, ça fait 24 minutes. Donc ça fait déjà 1 heure qu'on est sur le jeu, hein. Ça fait quand même beaucoup. Beaucoup pour mon petit cœur. Bon bah, James est mort. On se retrouvera pour un épisode 4 ou 5, je sais pas lequel, je sais pas on est auquel là, mais bref, on se retrouvera pour l'épisode 4 ou 5. Donc, j'en perds mes mots. James, il est mort. On se retrouve dans l'épisode 4 ou 5 dans quelques jours. Salut.